Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle vidéo, donc un nouveau projet. C'est ma lumière automatique qui s'allume en présence de mouvement. Donc avant, j'ai créé mon interrupteur clap, donc ce qui permettait qu'en une clap, la lumière s'allume. Et maintenant, on n'a plus aucun mouvement, plus aucun geste, on a juste à entrer dans la pièce et la lumière s'active automatiquement. Donc voici mon panneau de contrôle. Je l'ai refait étant donné que j'avais besoin de plus d'espace sur mon panneau et pour acheter les composants, il fallait que je l'agrandisse. Donc ici j'ai mon écran LCD qui affiche la date, l'heure et la température. Ici j'ai mon capteur de température. Il est l'autre bord de mon panneau. Mais la différence avec ma version précédente, c'est que le capteur de température, je l'ai collé le plus proche possible de mon panneau, tandis qu'avant, il était dans le mur, donc on n'avait pas la bonne température. Ensuite, ici, c'est mon détecteur de mouvement. Ici, c'est mon micro pour mon interrupteur clap. Donc, ici, j'ai mes deux interrupteurs. Un qui sert à mon détecteur de mouvement et l'autre pour mon interrupteur clap. Donc, par exemple, si je descends celui-ci, si je l'active, là, je fonctionne sur mon interrupteur clap et mon détecteur de mouvement. Donc, pour fermer mon détecteur de mouvement, on ferme l'interrupteur. Et là, d'une clap, on ferme. Une autre clap, on rouvre. Et voilà. Donc, pour retourner sur le détecteur de mouvement, on abaisse celui-ci. La lumière rouge, elle allume pour dire qu'elle a détecté un mouvement. Donc, à chaque fois que le détecteur ici détecte un mouvement humain ou n'importe quel autre mouvement, il va allumer la lumière rouge pour dire qu'il a détecté le mouvement. Donc, le principe est simple. À chaque fois qu'il détecte le mouvement, ça part une boucle de 20 secondes. Donc, si dans ce 20 secondes-là, il n'y a aucun autre mouvement, après le 20 secondes, la lumière va s'éteindre. Par exemple, si la lumière... on détecte le détecteur de mouvement détecte un mouvement et dans le 20 secondes, il redétecte un autre mouvement. Là, le 20 secondes va recommencer à zéro et attendre un prochain mouvement. Donc, c'est super simple. On va faire quelques tests. Donc, comme vous voyez, la lumière s'active automatiquement seulement par la présence de mouvement lorsque j'entre dans la pièce. Et le capteur est quand même assez sensible, puisque lorsque j'entre, il y a environ une vision de 110 degrés, donc ce qui permet de détecter à partir d'environ ici, donc au moindre mouvement que j'entre, le détecteur me détecte, détecte une présence, donc la lumière rouge ici s'active, ce qui active le relais. Donc c'est la même chose pour en sortie, donc lorsque on bouge dans la pièce, le détecteur de mouvement nous détecte. Donc, la lumière ne s'éteint pas. Un délai de 20 secondes, c'est raisonnable. Étant donné qu'il faut compter que 20 secondes, c'est quand même assez long. Tout dépendamment de ce qu'on fait dans la pièce. Par exemple, pour moi qui travaille l'électronique, lorsque je bouge mes bras ou je bouge dans la pièce, le détecteur de mouvement me détecte. Donc, 20 secondes, c'est amplement assez. Donc, aussi, on va faire un test en sortie. Donc, après avoir bougé dans la pièce, on veut sortir, on sort tout simplement et là le détecteur de mouvement ne détecte plus aucune présence pour un délai de 20 secondes et à partir de là, la lumière va fermer au bout d'un 20 secondes. Et lorsqu'on rentre, la lumière rallume. Donc, pour plus de détails sur ma lumière automatique, visitez le pbelectronique.com. Tous les détails vont être disponibles sur le site, ainsi que le schéma et les codes de programmation.